Rebonjour à tous, et le tour régulateur Fouba, on se retrouve pour une tentative sur la machine à sous Jenny Palace, donc on a 9343. Allez, 37,50, on va attaquer avec ça. Bon, bien sûr, sur ce jeu, ça dépend des parties. Pour la chenille, les super jokers, éventuellement arrive au free game. Donc ça sera fréquence variable selon les parties. Enfin, c'est pas on se tapait des jolies séries de wild, mais ça bien sûr, c'est toujours en dents de scie. Alors, spin perdant, après les perdants, il y a peut-être les gagnants, peut-être, on va essayer les mises à 50. On n'a pas encore vu un seul wide avec les tapis volants. La super chenille de Joker, c'est pas encore d'actualité. Ah bah c'est bien beau de tenter après les perdants et les gagnants, mais après les perdants, des fois il y a du perdant encore. Eh bah lui, Matt, il a l'air content de voir des séries de spin perdants, c'est vraiment pas top pour le moment. Pas encore pour la première série de Wild. On avait les Wild mais pas le tapis volant. C'est l'option éventuellement intéressante sur ce jeu qui peut éventuellement des fois bien payer, mais bon bien sûr. Pour le moment, il n'y a que dalle. Allez, le premier. Il nous en manque 3 pour arriver au free game. On en a encore un. Allez, il va nous en manquer 2. Et voilà, terminus. On va pas arriver au free game. Malheureusement. De toute façon, le jeu il est programmé pour ne pas les filer à chaque fois qu'elle est wild et le tapis volant. Et ouais, ce serait sinon un peu trop facile. Ouais, par contre, ces jeux de monter au free game, ouais, ça arrive de temps en temps. Par contre, pour monter au jackpot, ça c'est du jamais vu. Alors, si on a un qui gagne ça, que je vois ça dans les commentaires, je veux bien une capture d'écran parce que limite, j'aurais du mal à le croire. Dommage, dommage, dommage. Eh ben sans déconner, je commence à m'endormir devant le jeu, j'espère que il va filer un joli win histoire que je me réveille un peu. Voilà, on va passer en mode spin turbo. Sans déconner, ça bouffe du spin perdant. Alors là, la balance. Allez, c'est parti, nous manque 3 wilds. Terminus.
Ah non, on a encore ça. Eh ben non, c'était terminus, c'est pas le bon symbole. Bon, j'allais réduire les mises, mais je vais attendre encore un petit peu histoire de voir s'il me plombe encore la balance. Et 50, on est passé en dessous du chiffre 6. Bon, ben là, le générateur de symbole aléatoire, il n'est pas au top pour le moment. On a soit les wilds, soit le tapis volant, mais pas les deux. Ouais, pour qu'il rentre en jeu, il faut que le tapis soit en plein. Voilà, pas comme ça, il aurait fallu qu'il descende un petit peu. Ah, pas évident, pas évident. On va se taper s'il faut de la loose. Sympathique en faveur du casino. Bon, de toute façon, les machines à sous, c'est ça, c'est jouer à qui paye ou qui paye pas. Alors, forcément, des fois, le joueur, bah, il se tape la version bah, qui paye pas du tout. Alors, il nous en manque deux. Terminus, pas un win en plus, voilà. Ben, il nous manquait du wild pour arriver au free game. Génie Palace aujourd'hui, il n'est pas au top. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à chiottes? Le truc qui paye que dalle. Dommage. Bon, du coup, mise à 25 balles, parce que vu comment il paye le truc, enfin. Vu comment il paye que dalle, on va tenter de limiter un peu la casse. Bon, après, des fois, le jeu de machine à sous, il paye que dalle pendant une plombe, on s'endort devant le jeu, puis tout à coup, il n'y a qu'un gros win. Bon, ça, c'est pas tout le temps d'actualité. Ben là, pas mal, j'avais commencé à 9000 balles, moins 5000. C'était pas mal, essayer à 50 balles. Le jeu, il a filé que dalle en retour. Moi, je voulais voir s'il y avait des mises à 20. Bon, 1875, on va rester sur les mises à 25. Le tapis volant, alors combien on en a? Hop. 2, 3, 4, il nous en manque un, le rat. Il est là, bordel. Il est là, bordel. Tant mieux. Excuse-moi pour les gros mots, ça sort tout seul. Depuis que je l'attendais, le petit rat là. 25 balles, free game. 3 free game, on en a que 3 malheureusement. On a la pièce ici. Eh ben, tant mieux, si on se fait une opération renflouage avec tous les wilds, c'est que mieux. Alors, hop. 2177, ça m'étonnerait qu'on remonte à 9000. Encore une coin, tant mieux, tant mieux. On passe sur 5 free games. On gratte encore une, tant mieux. Non, c'était bien fait défoncer le truc qui payait que dalle. Donc, enfin, ça, quand ça arrive en début de partie, c'est pas mal. Mais des fois, ça arrive au bout de. Après avoir joué pendant une plombe. On n'a pas eu de coin ici. Pas de free game supplémentaire manqué la dernière. On va voir. Un petit coin, allez, c'est parti. Yes. Ouais, 7 sur 7 là. 3422. On avait quand même donc commencé à 9000 balles, donc la machine à sous l'a gardé. Ouais. 2300 balles de bénéf pour elle. Enfin, pour le case.
Ça, les free games à 2-3 000 balles, c'est intéressant quand ça arrive en début de partie, mais sinon, quand ça sort après avoir perdu une blinde, c'est pas vraiment intéressant. Bon, serait-il possible de gagner un round de free game assez rapidement? Bien sûr, on n'en sait rien. Là, c'est des fois oui, des fois non. Dommage que les free games soient pas sortis sur des mises à 50 balles, parce que sinon ça aurait fait à la place de 3 000, ça aurait fait 6 000 de win. Bon, de toute façon, croire qu'on va tout le temps gagner aux machines à sous, c'est un peu comme croire au Père Noël, donc. Manque 2 et terminus. Mister Tapis, hop, 3. Allez, nous en manque 2. On en a ici, mais nous en manque un. Mais s'il faut, il va nous planter. Il nous fait souvent le coup. Et il nous a planté, voilà, terminus. Un wild prêt pour gagner les free games. Bon, de toute façon, c'est le système de programmation du jeu qui en est de la sorte. Voilà, le joueur il monte, enfin il croit qu'il va peut-être presque les gagner, mais au final non, peut-être la prochaine fois. Oh, bah les limites fixes à 6 000 balles, donc j'imagine dans pas longtemps. Bon, est-ce que ça vaudrait le coup d'enquêter un round 2 sur ce machine à sous? Bon, c'est toujours pareil, c'est pile ou face. Des fois les round 2 ça remonte, des fois ça plombe encore un peu plus de soldes. Bah, c'est l'heure de dire au revoir au Génie Palace, donc on termine à 5 009. Ouais, j'avais commencé à 9 003, donc enfin voilà, pas de commentaires.